essayé de partir assez vite et en fait j'ai nagé mes deux tours tout seul. Je pensais être avec un autre du deck et en fait non. Donc je suis sorti assez bien, assez frais, pas trop mis de jambes. Après premier tour vélo, je me suis bien tapé dedans et j'ai eu mal sur le retour. Après j'ai vu Fabrice Collin revenir dans Renovois. Je me suis accroché et puis on est arrivé tous les deux ensemble et puis après pas de courant, rien, donc j'ai réussi à dérouler et à courir pour une fois sur un triathlon après un 10 km. Donc très satisfait de faire mon premier podium sur un triathlon et surtout les finales et surtout derrière Thomas Seyer, donc félicitations. Pas gêné par la pluie en vélo? Ah, un petit peu aussi quand même parce que les virages sont dangereux et donc avec les roues carbone et les jantes c'est difficile de freiner, donc j'ai pris aucun risque dans les descentes et puis j'ai essayé de tourner les jambes avec une bonne vélocité pour pas trop me mettre de toxines dans les jambes. Donc en vélo ça s'est bien passé. Natation, au départ natation c'est toujours un peu difficile pour moi parce que ça démarre très vite, surtout les jeunes qui sont devant, donc j'ai tendance à m'asphyxier en natation, donc je laisse partir et puis après je fais ma natation tranquille, je sais que ça va trop vite devant, donc puis après en vélo, bon, comme c'est ma discipline de prédilection, je préfère m'éclater sur le vélo puis après je fais avec six masques. Bon, donc là je savais que Lucas était bien plus rapide que moi en course à pied, donc il n'y a pas de souci, je suis content pour lui, il le mérite. Est-ce qu'on aime le climat tempéré comme ça? Pour moi c'était une course, enfin, la température était idéale. J'aime pas la chaleur. Quand j'ai la chaleur j'ai souvent des crampes et je suis vraiment pas bien. Et là en fait le fait que ça soit tempéré très bien, la pluie n'a pas gêné du tout. Donc non, très satisfait de la température, c'était parfait. On n'a pas eu de grosses trombes d'eau. Donc, c'était encore mieux, c'était que des petites gouttes au pire des cas et on sentait pas trop bien. Qu'est-ce qui vous attend comme compétition maintenant? Mathieu. Moi je vais faire le triathlon de Taron dans 15 jours. Au mois de juillet, j'ai prévu de faire l'étape du Tour dans les Alpes. Après, donc vacances, triathlon de Gérard Armé, le XL, triathlon par équipe à la Neuville, certainement avec Lucas, et des autres du club. Et puis, au mois d'octobre, je me suis inscrit sur le XL du Natureman dans les Gorges du Verdon. Voilà, il sera bien. Et puis bah moi pareil, j'hésite encore à faire Crute la semaine prochaine, en fonction de l'état de fraîcheur. Sinon comme Fabrice, je vais faire Taron. On va aller partir une semaine en vacances à Thonon. Donc faire Thonon. Et puis après l'objectif principal c'est le déo de Jérémy. J'espère faire encore brille comme l'année dernière. Voilà.